Je veux vous annoncer que je suis candidat à la mairie de Montpellier pour les prochaines élections municipales. J'ai découvert beaucoup de problématiques à Montpellier et je pense que globalement, je peux apporter des solutions à ces problématiques et je peux faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Je vais prendre des coups, ça je le sais, mais j'en prends par ailleurs, donc ça ne m'effraie pas, je n'ai pas peur. Un homme politique qui va aussi, parfois pour l'argent, bien qu'on ne devienne pas très riche en ayant, je ne sais plus, quelques milliers d'euros par mois à la mairie de Montpellier, il vient quand même pour la notoriété, pour le pouvoir. Ça se trouve que j'ai à peu près tout ça, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner d'aller être maire de Montpellier? A priori, rien. A priori, rien. Mais je ne me pose pas cette question de cette manière. Je dis, regardez mon histoire. Regardez mon passé, regardez d'où je viens. Et voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est venu ici, qui a eu une deuxième naissance pratiquement dans cette ville et qui a tout fait grâce à cette ville. Peut-être à un moment, il faut boucler cette boucle et dire aux Montpelliérains, bah, écoutez, voilà, merci, je vous ai servi 6 ans. Voilà.